Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Coucou tout le monde. Comment allez-vous? J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. C'est un peu plus tôt que d'habitude, en effet. Coucou Eric, coucou Véro. J'espère que vous êtes en forme ce matin et que vous avez un peu de temps pour bouger votre body avec moi. Alors, je vous explique 10 heures pourquoi, parce que c'est l'heure normalement où je donne ce Shape and Flow au clay. Voilà. Et vu qu'on est puni à la maison ce matin, voilà, bah écoutez, je vais quand même donner mon cours, mais en version plus courte, pour deux raisons. Alors en plus au niveau de la musique, je ne peux pas mettre la musique très forte, alors qu'effectivement, comme disait une copine très chère hier, elle me disait la vraie valeur de ce cours-là, c'est la musique à fond et l'ambiance qui va avec, évidemment. Seulement, si je mets la musique trop forte, je risque d'être coupée. On risque de me retirer la vidéo. Et j'ai certainement pas envie. Coucou Charlotte, coucou Eric. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé, voilà, je fais comme le cours. Une demi-heure, comme ça, vous pouvez le caser n'importe quand. J'espère que ça va pouvoir passer en IGTV. Et que ça va pas disparaître. Coucou Sonia, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, version courte, une demi-heure, vous pouvez le refaire. Et version mais sans musique. Alors sans musique, je laisse quand même un petit fond musical. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre la musique en revanche super fort chez vous. À partir du moment où vous me voyez, vous n'êtes pas vraiment obligé de m'entendre. Voilà. Coucou Renaud. On ne lâche rien. On fait quand même quelque chose ce matin. Voilà, on donne cours mais à la maison. J'attends encore un tout petit peu et puis c'est parti. Alors, pour ce cours, vous avez besoin évidemment d'une bouteille d'eau. Même si une demi-heure, c'est court et... Enfin, voilà. Mais si vous avez besoin d'eau, prévoyez de l'eau. Et puis, surtout, deux petites haltères. Prévoyez deux petites haltères si vous avez 200 grammes moins kilo, si vous avez ça à la maison. Si vous n'avez pas, deux bouteilles d'eau feront l'affaire. Ou deux bouteilles de lait, par exemple, avec des poignées... Voilà. Et quoi qu'il arrive tout à l'heure, à 11h, on enchaîne, comme au clé. Un cours plus zen, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ok? Allez, c'est parti! Alors, le son, Renaud, je sais pas si t'es encore là, mais on est d'accord qu'on peut pas mettre trop fort. C'est embêtant, ça. Hein. Bref. Pas grave, on va s'imaginer. Allez, chez vous, mettez de la musique. Hein. Et l'objectif de cette séance, donc on travaille tout le corps dans ce cours. Le haut du corps, le bas du corps, c'est assez cardio, vous allez voir. Gros focus sur les abdos, mais surtout les fessiers. Faites ce que vous pouvez à votre rythme. Moi, mon rythme est assez rapide. Pour celles qui me connaissent, elles ont l'habitude comme ça. N'est-ce pas, Charlotte? Pour les autres, vous faites ce que vous pouvez. Ok? À votre rythme, et puis vous le referez. Et plus vous le referez, plus ce sera simple. Et vous pourrez adapter le rythme. Voilà. Allez, go! Je mets un tout petit peu plus fort. Allez, on inspire. Écarte les pieds un peu plus large que la largeur des hanches. Et expirez, soufflez. Encore, inspirez. Étirez vos bras. Soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez, étirez-vous. Soufflez. Ok, allez chercher vers le haut ici. Étirez vos bras, imaginez que vous pouvez attraper le ciel à chaque fois. Ok, et on relâche les bras. Allez, on enroule les épaules et on marche. Ok, l'épaule, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Soit vous faites en miroir, c'est bien, vous faites le même bras que moi, comme ça c'est plus facile. D'accord ?
et vous ne vous enlèverez pas les pédales pour la suite. On est une épaule devant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Très important de marcher pour le cœur. Ok, allez, marche, 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 marche. Épaule en avant, en arrière. Change de bras. Épaule en avant, en arrière. Et respirez. Déjà, dès maintenant, engagez votre centre. Avalez votre nombril. Continuez à marcher. Épaule en avant, en arrière. Super. Avec les deux bras. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Hop. Enroulez légèrement les épaules. En avant, en arrière. En avant, en arrière. En arrière. Super. On continue. On bouge les hanches. Beaucoup plus que ça. Ok, la main ouverte. Allez chercher sur le côté. Loin. Tac. Et loin. De l'autre côté. Et hop. Et on alterne. Ne bougez plus les pieds. Alternez. Hop, hop. Loin sur le côté. Serrez la taille très fort. Respirez, avalez votre nombril. Super, là. Imaginez, vous les tapez. Hop, vous l'embêtez quelqu'un sur le côté. Donnez une petite tape sur la tête comme ça. Pour rigoler. Allez, tap, tap. Allez, on va un peu plus loin sur le rythme. Hop, on accélère. Vous allez voir, ça travaille la taille là. Donc serrez fort la taille. Allez chercher un peu plus loin. 4, 3, 2, et on alterne droite-gauche. Hop, hop, hop. Encore, souffle, 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 souffle. Super dynamique les bras. 4, 3, 2, 1. Ok, en haut, en bas, en haut. Change de bras. Avec un baby squat. Ajoutez un baby squat. Super. On reprend l'autre bras. Et en haut, en bas. On descend un peu plus sur les jambes. Super. Change de bras. Haut, bas, haut, bas. 4, 3, 2, 1. Ok. On continue. Baby squat. On lâche un peu les bras. Baby squat, c'est on ne descend pas trop bas. C'est petit, tranquille, on échauffe. Tranquillement. Attention quand vous faites les baby squats, d'être toujours sur les talons. Même sur les grands squats. Quel que soit votre squat en fait, vous êtes toujours sur les talons. Vous devriez toujours pouvoir soulever les orteils. Ok? Engagez votre centre. Trois petits en bas. Un, deux, trois. Et on remonte. Encore. Et un. 2, 3, soufflez en haut. Et 1, 2, 3. Et remonte. On descend un peu plus. Allez, petit. 2, 3. L'idéal, ce serait de descendre jusqu'à hauteur de genou. Et vous repoussez. Encore. 1, 2. Repoussez sur les talons et repoussez le plafond avec la tête. Serrez, engagez votre centre. Encore. Et 3, 2, 1. Et on remonte. Ça va tout le monde? 2, 3, et souffle en haut. 1, 2, 3, remonte. Et 5, 6, 7, super, on reste en bas. Coude sur les cuisses. On monte, on descend les fesses. On descend. De profil, ça donne ça. Monte les fesses et descend. Ah, ça commence à chauffer dans les cuisses et un petit peu dans les fesses. Ce que vous faites, c'est que vous pensez à serrer les fessiers. Surtout si vous êtes toute la journée assis ou debout, c'est pas mal. 4, 3, 2, et on remonte. Grand single, il est ça.
passe quand vous êtes en bas. Pour mieux remonter. Super, on bloque en bas, on bloque. Ok, avec les bras. Tirez vos coudes en arrière et tendez les bras devant. Encore, encore, encore. Tendez les bras, tirez. Levez les coudes, levez les coudes. Tirez vos coudes en arrière. 3, 2, 1. Super. On se met sur les mains. On descend les fesses. On se met en planche. Le profil, ça donne ça. Ok. On respire fort. Et on amène un genou après l'autre à la poitrine. À droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vais descendre, ce sera plus simple. Droite, gauche, droite. Étirez votre dos. Si vous êtes là et que vous êtes en train de vous dire « Oh, c'est super facile !» C'est normal. Les fesses sont trop hautes, il ne se passe pas grand chose. Descendez vos fesses. Ah oui, il va en faire quelque chose. Allez. On va pousser bien le sac avec les mains. Ok, debout. On prend les haltères. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Je vous remonte. Hop. Ok. Ok, on continue à marcher. On dandine. Que le corps tout entier marche. Levez les coudes. Et on alterne. Lève les coudes, tend les bras devant. Lève les coudes, tend les bras devant. Lève tes coudes et tends. Lève tes coudes et tends. Encore. Respirez. Super, on garde un bras. Ouvrez le bras et ramenez devant. Inspirez, soufflez. Et on accélère. On accélère. On ramène devant. Allez, remue la marmite. Imaginez un énorme chaudron. Et vous remuez. Super, on change de sens. Et ouvre. Grande amplitude. Super, on accélère. 1, 2, 3, 4, 6, 7. On change de bras. Ramène devant. Ramène devant. Plie ton bras. Ramène devant. Tendu. Tendu. Plie. Tendu. Plie. Super, on accélère. En amplitude. Le petit, le plus rapide. 4, 3, 2, on ouvre le bras et on plie. Les paumes de main face au ciel.
Serrez votre taille, serrez votre taille. Allez, visez plus haut, visez plus haut. Reste en haut, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Visez le plafond, serrez vos omoplates. Encore, 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 encore. L'objectif, là, c'est l'arrière des bras. On ne veut plus que ça ramollisse, on ne veut pas. Jamais. Là derrière, c'est là. Le genou de la jambe avant, face à moi. Et là-bas. Et croise. Pliez les deux jambes. Et ouvrez ici. On revient sur le côté. Encore. Hop. Et on rajoute les bras. Biceps ici. Et on touche le sol avec la main opposée au pied. Hop. Serrez la taille quoi qu'il arrive. Engagez votre centre. Dernière fois. Ok, on change de côté. Croise ici. Et fente. Biceps. Et fente sur le côté. On croise, n'importe quoi, biceps et côté. Bon, c'est quand même mieux quand on est tous ensemble. Quand on entre gondesse là, on entend un gars qui vient, c'est cool. En général, les gars qui viennent à cette séance sont sympas. Ça se passe bien. Mais sinon, on est... C'est quand même plus sympa que je suis avec vous. Hein. C'est un peu glauque hein, d'être seul dans ce salon. Enfin, voilà. Encore un petit peu. Allez, descendez un peu plus que ça. Allez chercher loin sur le côté. Ok. Ah. On reprend la marche. Et on lève les bras sur le côté. Ce que je veux, c'est quelque chose vraiment de dynamique, quoi. D'accord, on se réveille. Il fait super moche. Il fait froid. Mais la vie est belle. Allez, on lève les coudes. Bougez vos fesses. Hop, hop. 4, 3, 2. Super. Hop. Super pour la coordination, c'est qu'en plus de faire ces bras-là, vous ramenez votre pied à chaque fois, là. Ça devrait commencer à chauffer dans les épaules, normalement. Si tout va bien. Super. Continuez ici. Écarter, écarter. Fléchissez les coudes et on ouvre les bras. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous demande de prendre des haltères de 500 grammes ou 1 kg max. Parce que je veux que ce soit hyper tonique. Et ce petit poids là, c'est la petite valeur ajoutée. Allez, ouvrez les bras, serrez vos omoplates. Contactez vos omoplates. Ah, soufflez. 4, 3, 2, 1, on relâche. Posez le poing. Buvez un coup si vous voulez. Je vais vous descendre. Ce sera plus facile. Voilà.
Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Alors, on se concentre un petit peu sur les fessiers. Le même coude que moi, là, au sol. D'accord? Pour le moment, on va viser très haut avec la pointe du pied. D'accord? Je monte de profil. Viser très haut, ici. Petit coup de pied. Très haut. Encore. On va rester assez longtemps sur cette jambe-là. Que vous ayez le temps de sentir le travail dans cette jambe-là, dans la fesse et l'arrière de la cuisse. Contractez le fessier, c'est important. Après, si vous sentez le travail dans l'autre fesse, c'est normal aussi. Elle travaille en statique. Serrez votre taille. Engagez vraiment votre centre, c'est très important. Et surtout, respirez. Corps, souffle, inspire, souffle. Et visez plus haut, visez plus haut. Je vous vois d'ici, je vois des petits trucs comme ça, j'en suis sûre. Allez, visez beaucoup plus haut. Et là, vraiment, quand vous faites cet exercice-là, pour le moment, vous restez bien dans l'axe de votre fessier. Ok, regardez, on change un tout petit peu. On pose le genou, mais on ouvre le pied sur le côté. Et on vise en diagonale. On pose le genou. Et diagonale, pose le genou. Et diagonale, pose le genou. Pose. D'ailleurs, si vous voulez toucher les genoux, c'est pas mal aussi. Si vous ressentez bien ce qui se passe en vous là, vous remarquez aussi que quand vous faites cet exercice là, on travaille les abdos. On travaille le gainage. Donc, engagez votre centre. Encore. Allez, visant en diagonale, hein, vous avez vu, par rapport à la porte tout à l'heure. Tout à l'heure, je tendais la jambe au niveau de l'arête, juste derrière moi, de la porte. Là, je vise la poignée. Encore diagonale. Là, ça sera oui d'ailleurs. Je tape mon haut tout à l'heure. Vous travaillez à la fois le grand fessier et le moyen fessier. Ok, on reste sur le côté ici. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ok, on ouvre, on ferme, on remonte, on pousse le pied en avant. On repose, on ferme, on ouvre, pousse le pied. On ferme, on ouvre, on ferme, hop, pousse le pied en avant. Encore, ouvre, ferme, hop, pousse. Hop, hop, pose le pied. Ferme, ouvre. Et pousse en avant. Encore. Hop, hop. Pose. Ferme. Ouvre. Pousse le pied en avant. On reste là. On change de jambe. Allez. De nouveau. Visez très haut. Allez, donnez un petit coup de pied très très haut derrière. Là. Encore. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Allez, visez plus haut. Hop. Vous allez voir qu'après, la séance de stretching qui va arriver, va faire un bien fou. C'est très complémentaire. Et rien du tout. Voilà. C'est mieux. 4. 3, 2, 1. Pose le genou en ouvrant le pied sur le côté là. Et on vise en diagonale. Pose le genou. Et là. Posez le genou. Et vous relâchez la hanche. Pose le genou. Et vise en diagonale. Inspire. Souffle.
Si vous voulez que ça travaille beaucoup plus encore, rien ne nous empêche de mettre des lestes aux chevilles. Pour des fesses encore plus toniques. 4, 3, 2. Ok, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme, on avance le pied. On pousse vraiment les hanches en avant. Plus en même temps, ça tire le psoas. C'est rapide, mais ça fait de l'effet. Ouvre, ferme, ouvre. Et pousse en avant. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pousse le pied. Encore. Ferme, ouvre, ferme. Et pousse en avant. Ça saoule mon chien. Le profil, ça donne ça. Hein. Et pousse en avant. Garde le pied au sol, la main au sol, pardon. Vous pouvez très bien lever les mains. Ferme, hop. Ok, on relâche. Alors, vous allez vous mettre sur le dos. Les jambes écartées de la largeur du tapis. Les doigts sur les tempes ici. Et vous allez, regardez, garder le coude au sol et viser le genou opposé avec le coude. Et vous venez bien inspirer. On garde le coude en contact avec le sol. Et on tend. Inspire. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspirez. Qu'est-ce qu'on pense à faire là tout le temps? En général, j'ai toute une bande de filles qui me répondent à ce moment-là, j'adore. Alors, on serre la taille très fort, on avale le nombril, on contracte le périnée au maximum. Et je le répète, contracter le périnée, ce n'est pas serrer les fesses. Quoique là, vous pouvez le faire, hein. Serrer tout quand vous y êtes. Parfait. D'accord? On gâche tout. Ok. Les jambes à 90 degrés ici. Toujours les doigts sur les tempes. Les jambes sont fléchies. On vient toucher le sol du bout des orteils. Droite, gauche. Allez, encore, on alterne. Droite, gauche, droite, gauche. On engage le centre et on verrouille bien le bassin au sol, surtout, pour éviter de trop dandiner. De toute façon, si vous dandinez trop, vous allez voir, vous allez reculer ou avancer. D'accord? Alors, cambrai, si vous engagez au maximum, tout. Ça ne bouge. Droite, gauche, droite, gauche. 4, 3, 2, 1. On tend les jambes. Allez, on vient toucher le pied opposé. Même encore mieux, on vient toucher le petit orteil sur le côté. Encore, hop. Ah oui, parce qu'au clé, j'ai une sacrée bande de warriors. C'est des vraies sportives qui lâchent rien. J'adore. Attention, on relâche. Hop. On vient s'allonger. On écarte les bras, on lève les fesses. Sous les bassins. Pour terminer d'achever l'arrière des cuisses, le grand fessier et le lombaire. Allez. 6, 7, 8. On continue, mais sur les orteils. On décolle les talons. Soucis évidemment de pied ou quoi que ce soit, et évidemment vous posez le pied à plat et vous continuez, vous ne lâchez rien. 7, 8, on change de pied. Allez, go! 1, 2, 3, 4. Allez, serrez votre taille. Imaginez que vous avez une ceinture trop petite en permanence. Quatre.
3, 2, 1, au relâche. Allez, gainage pour tout le monde. Sur les avant-bras d'abord. Enfin, je n'ai pas de montre, super. On va imaginer. Alors, si vous êtes plutôt débutant, faites un gainage, les jambes écartées. Si vous êtes avancé, évidemment, les pieds sont plus serrés, ça travaillera plus. Et pour les autres, peut-être qui veulent s'amuser un petit peu, on écarte un pied, on ramène. Et gauche, ramène. Et droite, ramène. D'accord ? De face, ça donne ça. Ici, on écarte un pied, on ramène. On écarte l'autre pied, on ramène. Donnez-moi un château, un palace. Prenez la place. Écarte, ramène. Écarte, ramène. Serrez la taille, étirez votre dos. Engagez votre centre, contractez votre périnée, ne lâchez rien. Très important le gainage. Toujours, quoi que vous fassiez comme sport. Ok ? Gainage, c'est la base. Ok, on relâche. Sur le côté. On se met sur le côté. Regardez. Sur l'avant-bras ici avec le coude en dessous de l'épaule. Voilà, bien. Allez, tendez le bras. On va lever les fesses ici. On va achever également, encore une fois, le moyen fessier. Et en même temps, on travaille le gainage. Hop. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, étirez bras et jambes. On étire la jambe et le bras. Allez, levez bien ici. Hein. Il faut la fesse qui tombe. 4, 3, 2. On revient sur les avant-bras. Sur les deux, gainage, on reste. Exercice-là, vous forcez bien les abdos, partez en avant sur les pointes de pied et vous reculez, vous inspirez encore, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ok, on repose. De l'autre côté, même chose. On est sur le genou, l'avant-bras, le coude en dessous de l'épaule. Allez, on décolle ici. Coude genou, on allonge, souffle. Inspire. Voilà, étirez. Ne descendez pas trop cette jambe. Hein. Elle reste dans l'alignement du bras. Souffle, inspire, souffle, inspire. Quatre, trois, deux, un. On revient sur les avant-bras. Allez, dernier. Dernier gainage pour la route. Et on va reculer là. Vous reculez, vous reculez. Que les coudes soient plus en avant par rapport aux épaules. Et on remonte. Hop, hop, hop. On reste. Coude en dessous des épaules. Et on recule. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule. On reste. On zippe le bas du ventre. Du pubis jusqu'aux côtes. On zip, on reste et on avance. On avance les pieds. On revient en position initiale. On pose les genoux et on récupère. Super, vous déroulez le dos. Inspirez, levez les bras. Tirez vos bras au-dessus de votre tête. Inspirez et soufflez, relâchez. Voilà. Attrapez vos doigts ici, dans le dos. Éloignez les mains de vos fesses. Et soufflez. Très bien. Bon, j'espère que vous êtes bien défoulés. Ça vous aura fait du bien. Donc n'hésitez pas à la faire, à la refaire, cette séance. Voilà, ça travaille tout le corps en 30 minutes. C'est parfait. On se retrouve à 11h si vous voulez sur une autre vidéo pour à la fois respirer et s'étirer. À tout à l'heure, je vous embrasse.